Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un autre cadre. Je suis à la rivière. Derrière moi, il y a l'Hérault qui passe. Et donc, voilà, je m'étais dit que ce serait sympa de faire une connexion avec ce cours d'eau qui est l'Hérault. Alors, sans grande surprise, du coup, je le sens très actif. Là, il y a beaucoup de débit en plus dans l'eau. Et là, je sens vraiment qu'il y a beaucoup d'énergie et notamment de l'énergie qui retourne à la terre en fait. Là, ce que je sens dans mon corps en tout cas, c'est que toute l'énergie qui se concentre un peu dans le haut de notre corps, notamment dans la tête et dans la poitrine, se redirige vers l'estomac, le ventre, le bassin, et ensuite ça vient couler dans les jambes jusque dans les pieds et ça retombe vraiment dans la terre. Donc je sens vraiment une énergie de c'est pas de l'ancrage mais de déchargement. C'est une énergie qui va te faire redescendre en énergie, qui va te nettoyer aussi et qui va te permettre de te libérer de ce que tu as plus besoin en fait. Là tu es vraiment c'est une vidange. Hein, tu vois, là j'ai un peu comme l'image effectivement d'une vidange, soit de machine à laver, une purge d'un moteur ou je ne sais quoi d'autre, où vraiment toute ton énergie que tu as accumulée et qui ne te sert plus va retourner dans la terre et va quitter ton corps et du coup tu seras plus libre. Et ça c'est quand même beaucoup plus agréable. Là je me sens vachement plus léger que tout à l'heure et plus... pas propre mais plus sain je dirais, où tu sens qu'il y a de l'espace, tu vois, comme quand tu fais le ménage de printemps où tu enlèves toutes tes vieilleries dont tu n'as plus besoin, et ben là du coup tu as vraiment cet espace à l'intérieur qui est propre, qui a été vidé de tout ce qu'il n'y avait plus besoin et qui te permet de repartir propre comme un sous neuf comme on pourrait dire et qui est plus agréable. Il y a une notion de mouvement aussi, effectivement, hein, parce que bon, c'est de l'eau, ça ne s'arrête jamais. De perpétuel mouvement, d'avancer, de peu importe les obstacles, continuer sur sa route. Bon, je trouve ça un peu bateau pour de l'eau, mais bon, c'est ce que je ressens en tout cas. Il y a une notion de véhiculer aussi quelque chose, dans le sens où mon regard se portait sur des bouts de bois qui se font embarquer par le cours d'eau. Et que du coup, ces bouts de bois peuvent être transportés et véhiculés d'un endroit à un autre. Donc, ça permet de se déplacer, d'aller vers quelque chose de nouveau, de découvrir de nouvelles terres, de se laisser porter aussi par ce cours d'eau-là qui va t'emmener quelque part et qui va t'emmener à un endroit inattendu et qui sera dans tous les cas bénéfique en fait pour toi si tu vas te connecter à lui. C'est une énergie très douce, très yin, il y a beaucoup de bienveillance et de c'est pas tout à fait d'affect, voilà, c'est pas de l'amour, c'est de l'affect, c'est quelque chose, c'est enrobant, ça fait du bien et ça c'est nourricier si tu veux. Là, j'entends beaucoup de voix très cristallines qui chantent. Enfin, il y a beaucoup d'esprits de la nature, comme des... oui, il y a des vouivres, il y a des fées, il y a beaucoup d'élémentaux de l'eau qui sont là, qui sont très cristallins, très célestes dans l'énergie, où je vois là beaucoup de lumière vive, blanche... Et avec beaucoup d'ailes, comme des papillons, enfin voilà, ça, il y a beaucoup de vie très très douce et c'est très très cristallin, comme des carillons, voilà. Alors message, là il me donne laisse-toi porter par le courant et confiance dans le chemin que ça prend. Parce que la rivière, le fleuve a son lit, okay, a son circuit. Et même si l'eau qui est en amont ne sait pas où elle va, elle fait confiance et de toute façon elle n'a pas le choix, elle se fait embarquer et dans tous les cas elle ira à un endroit qui est juste. Donc ce message c'est laisse-toi porter et fais confiance au cours d'eau, au cours de la vie, hein,
en général. Et de toute façon, tu iras à un endroit qui est juste pour toi dans tous les cas. Donc fais-toi porter, laisse-toi porter et fais confiance. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire là. Ça fait 6 minutes, 7 minutes, c'est plutôt, plutôt bien, je pense. Donc voilà, si tu as la curiosité de te connecter au fleuve de l'Hérault, eh bien fais-le et mets-moi en commentaire du coup tes découvertes, tes trouvailles, ce que toi tu as ressenti en te connectant à ce fleuve, et fais-toi confiance, même si ce que tu as ressenti est différent de mon ressenti, c'est très, très bien aussi, c'est juste aussi, car on a tous notre sensibilité. Donc voilà, fais-moi ton retour en commentaire si tu te connectes et partage-nous ce que tu as ressenti, je serais très curieux de savoir ça. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un like, le commentaire, à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et à aller checker dans la description tous mes réseaux sociaux afin d'être tenu au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne YouTube. Voilà, c'était Steven, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager et je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée ou une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. C'était Steven, à la prochaine,